vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit calendrier de l'Avent un peu spécial. Donc j'avais fait un calendrier de l'Avent bohème et puis je me suis dit tiens, je vais faire un calendrier autrement que les calendriers qui s'ouvrent, soit en livre ou tout carré sur une grande plaque. Voilà. Donc du coup, j'ai fait un calendrier de l'Avent triangulaire avec mes petites boîtes ici qui s'ouvrent comme ça. Alors c'est pas très facile. Voilà. Donc on les referme. J'ai qu'une main, je vais pas y arriver évidemment. Voilà. Alors je vais réussir à la fermer, bien évidemment. Je vais, voilà, avec deux mains c'est plus facile. Voilà. Donc elles sont toutes numérotées. De l'autre côté, on a d'autres numéros. Donc certaines vont reconnaître leurs petites découpes qu'elles m'ont envoyées. Ici, voilà. Mais où est le numéro 24? Il n'y a pas de numéro 24. Alors moi, je mets toujours les petits numéros dans le désordre, en fait. Comme ça, on s'amuse à les chercher. Je ne mets pas 1, 2, 3, 4. Je les mets toujours dans le désordre. Voilà. Comme ça, c'est amusant. On les cherche partout. Le numéro 24, il n'y est pas, les filles. Où est caché le numéro 24? Eh bien, il est là, le numéro 24. Regardez. Je ne sais pas si je vais y arriver. La petite fille, elle sort. Et le numéro 24, la petite boîte, elle est là. Elle était cachée à l'intérieur. C'est une petite boîte triangulaire, hop, qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on peut y mettre un cadeau un petit peu plus grand, parce que c'est le 24 décembre. Et à l'intérieur du triangle, vous avez... Je ne sais pas si vous voyez, de façon à pouvoir tenir dedans la petite boîte. Alors, avec une main encore, ce n'est pas évident. Hop, on met la petite boîte à l'intérieur, on la glisse. Hop, voilà. Et on a la petite fille qui vient cacher la boîte. Et on n'a plus qu'à tirer dessus pour pouvoir la sortir. Voilà. Donc si le tuto vous plaît, eh bien vous restez avec moi. Il n'est pas très compliqué, il est facile à faire. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Le plus long, c'est les petites boîtes, la décoration des boîtes. Sinon, le reste après, c'est très facile. Voili, voilou. Donc je vous laisse et puis si ça vous intéresse, vous restez avec moi et puis on le fait ensemble. Alors voilà, je pense qu'on est bien installé. Donc on va faire en premier toutes nos petites boîtes. Là, j'ai plus qu'à mettre mes petits nœuds sur les boîtes. Sinon, j'ai fait 22 petites boîtes. Il m'en reste deux que l'on va faire ensemble. Voilà. Donc, je vais mettre mon pistolet à colle en marche. Alors, pour faire les petites boîtes, vous allez prendre 24, vous allez faire 24 petits morceaux de papier comme cela. D'accord? Ces petits morceaux de papier, ils font 14 cm. Par 9 cm. Alors pour aller plus vite, vous coupez d'abord tous vos papiers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais mettre ça de côté. Les boîtes qui sont faites, on va les mettre au fond et on va faire de la place. Voilà, il nous en reste deux à faire. Alors, vous prenez un papier qui fait 9 cm par 14 cm. Voilà. Donc vous coupez d'abord tous vos papiers pour que ça aille plus vite. Vous en coupez 24. Moi j'en fais que 24. Vous pouvez en couper 25. Et vous faites le 25e à l'intérieur. D'accord? Ensuite après, vous allez faire tous vos plis sur tous les papiers en même temps. D'accord? Comme ça sera beaucoup plus facile. Alors sur les 14 cm. Vous allez faire un pli à 2, 2 et ensuite après à, alors j'ai des papiers partout,
Alors, 2, 6, 8 et 12. Sur les 9 cm, vous allez faire un pli à 2 et un pli à 7. D'accord? Alors, on continue. Donc, j'ai coupé tous mes papiers. Donc là, je fais un pli à 2. Alors, je le fais de ce côté-là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire le 2 puisqu'on a le grand morceau pour le tenir. Donc, je fais un pli à 2. Je tourne mon papier. Un pli à 6. Un pli à 8. Un pli à 12. Je retourne sur les 9 cm, je fais un pli à 2 et je fais un pli à 7. Voilà. Et moi, pour que ce soit plus facile, regardez comment je fais. Alors, je prends déjà le grand côté, je fais mes 2 cm, 2 cm de l'autre côté. Ensuite, après, mes 6 cm. 8, 12 et ensuite après j'ai 7. Vous voyez? Comme ça j'ai pas à... je fais d'abord mon pli à 2. Alors j'espère que vous êtes dans la ligne. Oui, je fais mon pli à 2. 2. Ensuite après 6, 8. 12 et j'ai plus qu'à tourner mon papier et je fais mon pli à 7. D'accord? Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos 24 papiers, je reviens. Me revoilà. C'est parce qu'en fait, j'avais l'impression que l'objectif n'était pas très propre. Alors, une fois que vous avez fait ça, ça vous donne ceci. J'espère que vous voyez. Donc, on va couper en bas le premier petit carré. Et dans chaque carré, on va faire des biseaux que dans les carrés. Hein. Hop. Et une fois que vous avez coupé, que vous avez fait les plis sur tous vos papiers, et bien ensuite après, vous coupez tous vos papiers. Et vous pliez après. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Hop, on tourne, on coupe ici, on fait des biseaux, tac, on coupe là, on fait des biseaux, l'autre dernier carré, hop, et hop. On fait les autres pareils, hop, 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 hop. Le plus long, voilà, c'est les boîtes et puis après la décoration des boîtes. Donc moi, je vais faire deux boîtes avec vous, comme ça vous allez bien voir comment on fait les boîtes. Hop, je retourne. Après, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Il y en a qui sont voilà, très calendrier de l'Avent, ça reste un calendrier de l'Avent en carré, en rectangle, en forme de livre ou voilà. Moi, je suis toujours très j'aime pas les choses qui sont toujours pareilles. La rebelle. Voilà, j'ai retiré toutes les petites hop, hop, c'est tout bon. Alors après, bah, vous êtes obligé de faire le ménage. Hein. Voilà. Hop.
Alors ensuite après, on va prendre notre plioir et on va plier. Hop. Alors soit vous les pliez avant ou vous pliez comme moi je fais après. C'est comme vous voulez, hein. Hop. Après, c'est les premiers. Après, une fois qu'on en a fait 4 ou 5, et ben on prend le coup, hein. Voilà. Alors, on plie. Et voilà, soit vous pliez avant ou vous faites comme moi, c'est comme vous avez envie, hein. Voilà, ça c'est fait. On prend notre colle. Alors, non, avant de prendre la colle, il y a autre chose à faire. Oh, pardon, je suis désolée. Alors là, vous avez eu un orage. J'ai tout fait bouger et tout fait tomber. Sur un des côtés, peu importe, vous allez venir faire, pour pouvoir ouvrir la boîte comme il faut, un petit quart de cercle si vous avez ce petit appareil. Si vous ne l'avez pas, comme je vous ai déjà dit, vous faites un petit triangle au milieu. Hein? Voilà. Et je vous refais encore bouger. Oh là là. Mais aujourd'hui, Sylvie, on va commencer à coller. Où on n'a pas fait le petit arc de cercle. Hop, on met de la colle ici. De la colle ici. De la colle ici. Alors moi, je colle les quatre en même temps. Et de la colle ici. On va venir mettre bord à bord. Hop. Un. Deux. Le troisième et le quatrième côté, parce qu'après pour remettre la colle sur les petites c'est un peu compliqué. Et où vous avez fait la petite encoche, vous mettez de la colle sur votre petit carré biseauté et on va venir coller ici. Hop, on fait bien bord à bord. Moi, ce que je fais, c'est que je ferme ma boîte. Évidemment, ma boîte s'est ouverte. Sylvie, tu veux aller trop vite. C'est pas grave, on va la refermer et la recoller. Hop. Tac. Hop. Voilà, voilà. Vous appuyez bien sur les côtés et on va venir coller notre petite étiquette. Du coup, moi, il me reste le 11 à coller. Alors ça, c'est des petites étiquettes que j'avais sur un papier de chez Craftelier. Voilà, donc le 11, parce que je ne l'avais pas. Ah non, mais il faut le décorer, Sylvie, pourquoi tu le ranges? Ensuite, après, on va prendre celui-là. Donc, on met de la colle sur les quatre petites languettes qui sont là. Hop. Voilà. On commence par les deux premières. Hop. On met bien bord à bord et on colle. Et après on fait cela, on met bien bord à bord aussi. Et ici on fait la même chose. Hop. Après on fait les deux dernières où il y a le petit arc de cercle. On met bien bord à bord aussi
Avant de fermer, on attend que ce soit bien collé. Pas faire comme Sylvie elle a fait tout à l'heure. Voilà. Et on ferme notre petite boîte. Voilà. Celle-là, elle est bien collée. Et on met notre étiquette. Moi, il me restait le 19 parce que je ne les mets pas dans l'ordre. Tac. On colle. Et voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein. Alors, ensuite, on va venir mettre la déco sur nos petites boîtes. J'avais préparé des choses qui, évidemment, sont parties. Non, elles sont là. Là, j'ai une petite étoile. Là, j'ai une petite étoile. On va faire l'inverse. Hop, celle-ci, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre là. Tac. Donc, je reprends ma colle. Voilà. Je ne vais pas cacher mon petit bonhomme de neige quand même. Le papier est déjà bien décoré, donc c'est pour ça que je ne remets pas beaucoup de déco. Sauf sur celle-ci où j'ai fait des double et triple nœud à la fourchette. Voilà. On coupera un petit peu parce que ça cache le tac. Et voilà. Hop, on va les laisser sécher. Là, on va recouper un petit peu parce que ça cache le numéro. Voilà. Hop. Donc, les boîtes, elles sont faites. OK? Donc, ensuite, on va venir faire notre boîte triangle. Gulaire. Triangle. Triangulaire. N'importe quoi, mon triangle. Alors, ça, c'est le petit proto après. Alors. Donc, pour faire la boîte triangle avec le petit mécanisme à l'intérieur, vous allez prendre un papier qui fait 23 cm sur 14 cm. 23 sur 14, d'accord? Vous allez venir faire un pli. Oui, dans le genre sur le triangle, moi. Donc, sur les 23 cm, vous faites un pli à 4 cm sur les côtés opposés. Alors, on va faire 4 cm ici. Vous, je suis bien, vous me voyez. Répondez, criez si vous ne voyez pas. Alors, sur les 23 cm, 4 cm, je fais un quart de tour, un autre quart de tour. Et sur l'autre côté, donc le côté parallèle, je fais 4 cm. D'accord? Donc j'ai 4 cm ici et 4 cm de l'autre côté. Ensuite après, sur les 14 cm, on va faire un pli à 2 cm. Donc je vais le faire par là parce que c'est plus facile. D'accord? Alors, 2 cm. Ensuite après, on fait un pli à 6 cm. Donc, du coup, je vais tourner mon papier où j'ai eu mes 2 cm, d'accord, qui sont là. Je vais vous le faire dans ce sens-là, ça sera peut-être plus facile pour vous, mais moi, dans l'autre sens, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc 2 cm. Ensuite, après, je vais faire un pli à 6 cm. Ensuite, après, je vais faire un pli à 10 cm. Voilà. Alors, je récapitule. Vous avez un papier qui fait 23 cm par 14 cm. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli à 4 cm de chaque côté, sur les deux côtés parallèles. Ensuite, après, vous allez faire un quart de tour. Sur les 14 cm, vous allez venir faire un pli à 2 cm, 6 cm et 10 cm. OK?
Ensuite, après, vous allez prendre votre règle et vous allez partir du petit rectangle où vous avez fait les 2 cm. Et là, vous allez compter 8 cm. Et aux 8 cm, vous allez venir faire une petite coche. En bas, vous faites pareil, d'accord? Du côté où on a fait nos 2 cm, où on a notre tout petit rectangle, parce qu'après vous avez d'autres plus grands, vous allez partir et vous allez compter 8 cm et faire une petite coche. D'accord? Ensuite, après, vous prenez votre petit outil qui fait, ou alors votre plioir, c'est comme vous voulez. Hop, on prend notre petite mousse, coucou. Voilà. Et du petit point que l'on a marqué, on va venir faire une diagonale dans le carré. D'accord? Non, j'arrête de dire d'accord. Je le vois pas, mon carré. Il est là. Avec la lumière, je vois pas où j'ai mis mon carré. Alors, je vais plier, ce sera plus facile. Hop, voilà, ça y est, je vois. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le coin de mon carré, ma petite marque, et je fais mon pli. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je prends mon point. Hop. Le coin de mon carré, mon point. Ah ben là, j'ai fait un trou. J'ai gagné le cocotier. Hop, j'ai fait un trou. Tant pis, c'est pas grave. Là, je prends mon point et je marque. Voilà. L'autre côté, il est assez marqué. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, je vous ai encore fait bouger. On va plier. Hop. Alors, du coup, j'ai terminé mon petit calendrier de l'Avent. Voilà, voilà. Alors, il est complètement différent de l'autre. Voilà. Hop, ma petite bonne femme, elle est là. Quand on tire dessus, on a notre petite boîte qui arrive. Tac, avec le numéro 24 de marqué dessus. Voilà. Et je la rentre. Elle rentre chez elle. L'autre côté. Voilà, donc j'ai mis des petites fleurs, j'ai mis Merry Christmas, des petits cadeaux, voilà, des petits die-cuts, toujours pas récupéré mon. Voilà. Donc vous avez les numéros à l'envers, hein, je suis avec mon téléphone, désolée. Hop. Donc celui-ci et celui-ci qui est complètement différent. Voilà, un petit peu plus de feuillage, un peu plus de découpe. Voilà. Mon siège qui couine. Voilà, donc 2 petits calendriers de l'Avent complètement différents. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça change un petit peu. Le petit 24, il est caché. Après, vous pouvez mettre le 25, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc mes 2 petits calendriers de l'Avent, je suis belle comme ça. Hein. En plus, c'est la sortie, c'est génial. Donc je vous fais plein de gros. J'ai pas de main pour. Éteindre la caméra. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, scrapez bien, faites de beaux calendriers de l'Avent. Après un petit peu d'imagination pour mettre à l'intérieur, pas que des chocolats, parce que voilà, non, il faut mettre un petit cadeau dedans. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, ciao, ciao!